Yo tout le monde, c'est Apollon, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et c'est la présentation de ma nouvelle map créatif. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas sorti une, et voilà, je vous en sors enfin. Ça va être sur l'ancien mode de jeu, coup de pompe, qui avait au chapitre 1 un mode temporaire. J'ai eu l'idée avec le retour du The Floor is Lava de Midas. Je me suis fait la réflexion que c'était dommage que Fortnite nous laisse pas faire ces modes de jeu-là. Et du coup, je me suis dit, bah, quelle serait la meilleure idée pour pouvoir ces modes de jeu-là, les avoir faits par nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que je vous sors cette map. J'espère qu'elle va vous plaire. Pour ceux qui ont connu le coup de pompe à l'époque, voilà, vous savez, c'est un mode de jeu où on n'a que des pompes. Vous pouvez bien évidemment vous faire de la construction, regardez, comme ça, voilà. C'est un peu comme à l'époque, au niveau du BR, vous allez spawn aléatoirement dans Dusty et les usines. C'est l'endroit que j'ai choisi pour vous faire ça. Et vous allez devoir farm un peu votre construction, aller ouvrir bien évidemment des coffres. Il y a toutes les raretés. Je vais pas vous dire quelle pompe il y aura forcément. Je pense que vous allez savoir. Pour ceux qui étaient là au chapitre 1, c'est des pompes qui étaient là que au chapitre 1. Et je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez avoir dans un coffre. Alors, il y aura plein d'objets différents. Je vous laisserai découvrir tout ça. Mais du coup, vous pouvez avoir un moyen de rota. Par exemple, là, c'est les répulsifs. On a du coup forcément l'arme, le pompe avec les balles. On a, alors normalement c'est un soin, là je sais pas pourquoi il y en a deux, mais du coup voilà. Et vous pouvez avoir aussi un objet, on va dire, un peu plus fun. Comme exemple, ça peut être des bougies. Et du coup voilà, vous avez tout ça. J'espère vraiment que la map va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas à venir la tester. De toute façon, je serai en live à partir de 17h au moment où vous regarderez cette vidéo. J'y serai et forcément, on la testera ensemble. J'irai, on fera des parties, tout ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir. Et comme je l'ai dit, c'est très important à me faire vos retours. Que ça soit positif ou négatif. Mais surtout, pour aider à l'amélioration de la map, c'est très très important. Mais surtout, aussi si vous trouvez qu'il manque, par exemple, quelque chose pour que ce soit dans le décor ou vous avez des idées qui pourraient être bonnes à rajouter sur la map, c'est avec plaisir, je lirai tout. Je peux vous donner un petit truc qui va arriver plus tard. Pour l'instant, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas de tempête. Mais dans les prochaines mises à jour, il y aura la tempête qui va arriver. Ça sera un peu plus immersif comme à l'époque. Pour les anciens qui ont connu ce mode de jeu-là, j'espère que ça va vous plaire. Ça va être un peu des nostalgies. Bon, même si c'est pas réellement la vraie map. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, j'espère que ça va vous faire kiffer et que ça va vous donner un peu un plaisir d'y jouer. Moi, si vous êtes content, ça me fera extrêmement plaisir. Mais également, comparé à d'autres maps que j'ai déjà fait, vous aurez le droit de sprinter, de glisser. Vous avez l'escalade. Je me suis dit, je ne vais pas vous pénaliser, je ne vais pas faire ça sur toutes les maps. À chaque fois que je fais, quand je reprends un endroit du chapitre 1, quand même. Mais voilà. En tout cas, si cette vidéo et cette map vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à la liker. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner, merci à tous ceux qui le feront. Mais également, le code de la map, vous pouvez le voir au-dessus de l'écran. Mais de toute façon, je vous l'aurais mis, à mon avis, pendant tout le long de la vidéo en dessous pour que ce soit plus visible. Si vous voulez me soutenir sur Fortnite, vous pouvez le faire gratuitement en mettant mon code créateur KTT dans la boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le feront. Et si vous voulez venir me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description. C'était Apollon. À plus tout le monde!